Buenos días, soy Lorian del Maratón de las Lenguas. Bienvenidos, bienvenidas en este video en el que vamos a hablar en español. O sea, vamos a hablar sobre el español. Pues vamos a ver mis tres mejores consejos para aprender el español y también las expresiones más importantes para hablar español. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre kit de survie pour parler, pour apprendre l'espagnol. Je vais vous donner trois conseils très surprenants, surtout le deuxième, pour apprendre l'espagnol au mieux. Et à la fin, je vous donnerai également les expressions, des centaines d'expressions en espagnol indispensables pour vous faire comprendre. Et donc, je vous invite aussi à télécharger le PDF qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc avant de voir ces trois conseils surprenants, eh bien, vous savez que ça fait des semaines que je travaille sur la création de la formation Marathon d'Espagnol, donc pour parler espagnol couramment, pour avoir atteint le niveau B2, C1, selon votre travail évidemment, en moins d'un an. Eh bien, je vous informe que les ouvertures vont bientôt ouvrir, les inscriptions. Vous pourrez vous inscrire dès cette semaine. Alors, pour recevoir toutes les informations, pour savoir comment s'inscrire et quand s'inscrire, eh bien vous recevrez tout par mail. Donc pensez à être bien abonné au Marathon des Langues. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer juste en dessous pour vous inscrire. Et donc vous recevrez toutes les informations et surtout vous aurez accès au tarif préférentiel de lancement pendant quelques jours. Et en plus vous aurez toutes les informations pour aussi assister à l'atelier, donc la conférence en ligne que j'organise dimanche, pour découvrir tout ce que vous devez savoir pour apprendre l'espagnol au mieux. Donc on se retrouve dans votre boîte mail pour avoir toutes ces informations. Y ahora mis tres consejos para aprender español. Donc la première chose, c'est de se dégager de vos idées reçues. Non, l'espagnol n'est pas facile à apprendre. Alors effectivement, ça sera beaucoup plus simple que le russe ou le chinois, parce que c'est une langue qui est beaucoup plus proche du français que ces deux langues. Donc effectivement, ça sera beaucoup plus facile. Mais ayez en tête qu'il y a beaucoup de grammaire et de conjugaison en espagnol, et il y a beaucoup d'exceptions. Vous comprendrez si vous êtes déjà en train de l'apprendre. Il y a par exemple deux verbes être en espagnol. Il y a le verbe ser et estar, qui sont des verbes qui posent énormément de problèmes, même en niveau avancé. Et même, j'ai déjà vu des Espagnols qui confondent, dans certains cas, qui ne savent même pas lequel utiliser. Et je me souviens d'ailleurs de plusieurs profs quand j'étais à l'école qui avaient besoin de vérifier dans certains cas justement si on doit utiliser l'un ou l'autre. On a aussi par exemple, il y a deux verbes avoir, le verbe tener et le verbe haber. Vous avez la particularité des sujets qu'on n'utilise pas en espagnol, qui sont facultatifs, le je, tu, il, nous, vous, il ou elle. Et donc c'est pour ça, en fait, il faut vraiment bien connaître sa conjugaison, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre à quelle personne vous êtes en train de parler. Et à chaque temps, il y a plein d'exceptions, il y a les verbes à diphtongue, vous avez par exemple les temps, le passé simple, le futur antérieur, le passé antérieur. Ça, ce sont des temps qui sont très peu utilisés en français, mais qui sont très 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 courants en espagnol, donc il vaut mieux bien les connaître. Vous avez par exemple aussi la prononciation assez unique. Enfin, il y a des sons qu'on ne sait pas faire, qu'on ne connaît pas en français. Vous avez par exemple les deux R, ou tout simplement le R roulé en espagnol, qui au début n'est pas simple. Par exemple, rrr, comme dans le mot perro, perro. J'insiste, j'exagère exprès, mais pour l'anecdote, au début, quand j'apprenais l'espagnol, je ne savais absolument pas le faire. Ça faisait plutôt un L, ça faisait pelo, ça ne ressemblait pas à grand chose. Et à force de pratiquer, bon, on y arrive, mais c'est pas forcément simple immédiatement.
On a par exemple le J qui s'appelle la rota en espagnol qui vient plutôt du fond de la gorge. Le R vient d'ici. Et la rota vient plutôt d'ici. La rota. Comme par exemple dans le mot orange, j'ai eu beaucoup de mal à le dire. Un zumo de naranja. Il faut que je me concentre. Naranja. Oui, c'est ça, vous avez les deux sons. Le R roulé et le J. Naranja. Il faut se concentrer pour le dire au début. Et encore plus devant la caméra. Vous pouvez vous moquer, mais c'est pas simple. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des autres sons avec lesquels vous avez du mal en espagnol. Ça serait intéressant de savoir. Et bon, j'essaie pas de vous décourager d'apprendre l'espagnol avec ces différentes difficultés, mais je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience quand on démarre dans la langue, de connaître les particularités de la langue et de pas partir avec une fausse idée en se disant que ça va être simple, ça va être los dedos en la nariz, les doigts dans le nez, alors que on va rencontrer des obstacles, parce que plus on va penser que c'est simple, eh bien plus on aura de difficultés. Je pense que c'est quand même plus simple, plus simple de se dire que ok, il y aura des choses difficiles, mais c'est pas grave, on est au courant et on va avancer au fur et à mesure avec ça. Alors c'est vrai que quand on apprend l'espagnol juste après l'anglais, ça semble plus simple en termes de prononciation, parce que c'est vrai qu'en anglais on a aussi beaucoup de sons qu'on ne sait pas faire. Mais en termes de conjugaison, l'anglais est vraiment très très simple. C'est hyper simplifié par rapport à l'espagnol. Donc chaque langue a vraiment sa particularité et c'est important de le savoir quand on démarre. Donc si vous avez un mauvais souvenir des verbes irréguliers, eh bien avec l'espagnol, ça risque d'être pire si vous utilisez la même méthode de l'école, par exemple avec l'apprentissage par cœur. Mais rassurez-vous, c'est d'ailleurs, on va voir tout ça en douceur dans le marathon d'espagnol pour apprendre avec plaisir et sans trop se prendre la tête. Alors, mon deuxième conseil pour apprendre l'espagnol, eh bien, c'est que vous devez vous accoupler avec l'espagnol. Alors, pas au sens littéral, évidemment. Vous devrez vivre avec l'espagnol comme dans un couple. Alors, vous aurez compris qu'il y a beaucoup de grammaire, de conjugaison dans l'espagnol. Donc, il n'y a pas de secret, hein, il faut l'apprendre. Je vous dis pas que ça va être comme ça. Et comme je vous ai dit, tout ça, on va le voir dans le marathon d'espagnol. Mais le plus important, justement, pour ne pas se dégoûter de la langue, car au début, la langue, l'espagnol, c'est un peu la langue passion, la langue qui chante, la langue du bonheur. On voit la plage, on voit la joie de vivre des Espagnols. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais on peut vite, malheureusement, s'en dégoûter avec la conjugaison ou la grammaire. Donc, pour éviter ça, je vous invite à vivre la langue, à vivre en immersion avec la langue pour vous imprégner de la culture, comprendre les habitudes, comprendre l'histoire, la cuisine. C'est vraiment très important parce qu'une langue, c'est pas seulement une association de grammaire, de conjugaison. Car souvent on se focalise un peu trop là-dessus et en oubliant l'essentiel qui est à savoir que c'est une langue vivante, il faut la vivre et ça permet de prendre beaucoup plus de plaisir et ça donne un levier de motivation supplémentaire. Et en fait, comme je vous disais, comme quand on vit avec quelqu'un, plus on va passer de bons moments avec la langue, plus on va l'apprécier. Quand on vit avec quelqu'un, plus on passe de bons moments, de moments qualitatifs, plus on va apprécier la personne. Si vous ne faites que du fonctionnel, comme des colocs, quand vous êtes en couple, par exemple, si vous ne faites que manger ensemble, sans vous parler, que vous partagez vos trajets ensemble, que vous partagez le même lit, vous dites à quelle heure récupérer les enfants, à quelle heure, si vous avez récupéré le pain ou pas, et que vous oubliez de passer des bons moments, des moments de qualité avec cette personne, eh bien, il y a un moment, on va oublier pourquoi on l'aime et on va ne plus voir que les défauts de cette personne-là, malheureusement. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans cette description, mais il y a un moment où, malheureusement, on s'y trouve un peu tous. Bref, je m'égare, mais on ne verra plus que ses défauts. Et c'est pareil, en fait, avec l'espagnol, avec une langue, de manière générale, plus vous passerez des moments de qualité avec cette langue, et moins vous verrez ses défauts. On va dire que ses défauts, ça sera sa conjugaison, ses exceptions.
Et plus vous passerez ces moments de qualité, plus vous aurez de facilité et de plaisir à l'apprendre. Et enfin, le troisième conseil pour apprendre l'espagnol, c'est d'être un métronome. Soyez un métronome. Si vous me connaissez, si vous connaissez le marathon des langues, vous savez que je ne cesse de répéter ce conseil. Vous le connaissez par cœur. C'est vous devez être le tic-tac, c'est-à-dire que du métronome, c'est-à-dire que vous devez apprendre avec régularité. Vous savez que c'est le maître mot dans un apprentissage. On n'apprend pas une langue 3 heures par semaine et on range ses cahiers et basta. Non, une langue, ça s'apprend avec régularité, c'est-à-dire que ça s'apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Régularité, tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut vraiment vivre la langue. Encore une fois, c'est un conseil qui rejoint le précédent. Mais c'est la mémoire fonctionne de cette même manière. L'apprentissage est plus efficace de cette manière. Donc, je vous supplie vraiment, si vous voulez réussir, c'est d'être en régularité, apprendre avec régularité l'espagnol. Donc ça, c'était mes 3 conseils. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va avoir le kit de survie avec des centaines d'expressions en espagnol. Mais j'ai 2 petites questions pour vous. Répondez s'il vous plaît dans les commentaires. Dites-moi pourquoi vous apprenez l'espagnol et dites-moi quelle est votre plus grosse difficulté en espagnol. Qu'est-ce qui vous pose le plus problème dans l'espagnol? Ça me permettra de préparer au mieux notre atelier de dimanche pour répondre à toutes vos questions au mieux, vous donner les meilleurs conseils. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui se trouve quelque part pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Et surtout pour donner plus de visibilité à la chaîne, cela me permettra d'aider encore plus de personnes, plus de marathoniens des langues. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Ça me donnera un bon signal, ça me donnera envie d'en faire davantage. Et donc, on se retrouve maintenant de l'autre côté avec le kit de survie et toutes les expressions en espagnol pour bien démarrer. Donc, je vous retrouve surtout cette semaine aussi pour l'ouverture des inscriptions du marathon d'espagnol. Ciao les amis, on se retrouve de l'autre côté. Venga, vamos. Ahora vamos a ver el kit de survie. Donc on va voir tout de suite le kit de survie. Alors, on démarre avec les phrases de survie. Alors, lo siento. Lo siento, je suis désolée. No hablo muy bien, je ne parle pas très bien. Puedes repetir, por favor. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Buenos días, bonjour. Donc ça, c'est bonjour pour le matin. Pour l'après-midi, on dira buenas tardes. Gracias, merci. Adios, au revoir. Por favor, s'il te plaît ou s'il vous plaît. N'hésitez pas à répéter derrière moi ou même en même temps. Répétez à voix haute pour que votre mâchoire s'habitue pour savoir comment bien prononcer. Je vous conseille aussi ensuite d'aller écouter plutôt des natifs. Moi, je suis francophone, donc j'ai pas forcément la meilleure prononciation. Même si je parle couramment, c'est toujours mieux de d'écouter des natifs pour s'habituer. Donc, n'hésitez pas à le faire à voix haute, c'est un très bon exercice pour s'améliorer. Alors, hablo despacio, je parle lentement, même en français j'ai du mal. Un momento, por favor. Un moment, s'il te plaît ou s'il vous plaît. No sé cómo decir. Je ne sais pas comment dire. No entiendo. Je ne comprends pas. Attention, c'est un faux ami, celui-ci. Un poco, un peu. Puedes hablar más despacio, por favor. Peux-tu parler plus lentement, s'il te plaît. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muy bien. Très bien. No sé. Je ne sais pas. Espera, attends. Estoy un poco estresado, estresada. Donc le A pour faire le féminin. Je suis un peu stressée. ¿Dónde estás? Où es-tu? ¿Cuándo es? ¿Quand es? ¿Por qué? Pourquoi? No puedo ir. Je ne peux pas y aller. No tengo tiempo. Je n'ai pas le temps. Estoy atrasado. Atrasada, je suis en retard. Espérame, attends-moi. Compra, achète. Ben, viens.
Te llamo, je t'appelle. Voy, je pars, j'y vais. Déjame en paz, laisse-moi tranquille. Vamos, allons-y. No te oigo, je ne t'entends pas. No me importa, je m'en fiche. Toma cuidado, prends soin de toi. Hay algo, il y a quelque chose. ¿Qué significa esto? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Cuánto cuesta? Combien ça coûte? ¿Alguien habla español? Est-ce que quelqu'un parle espagnol? ¿Entiendes? Est-ce que tu comprends? ¿Puedes escribirlo, por favor? Peux-tu l'écrire, s'il te plaît? No sé por dónde ir. Je ne sais pas où aller. Me gustaría ir. J'aimerais y aller. Es el mío. C'est le mien. Es el tuyo. C'est le tien. No quiero molestar. Je ne veux pas déranger. ¿Podría ayudarme, por favor? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? ¿Está dispuesto ahora? ¿Êtes-vous disponible maintenant? ¿Puedo dejarte? Je peux te déposer. Je peux te laisser. Deberías ir. Tu devrais y aller. ¿Dónde está el cajero automático? Je le refais avec le son d'une question. ¿Dónde está el cajero automático? Où est le distributeur de billets? Me encargo de esto. Je m'en occupe. Como quieras. Comme tu veux. De broma. Tu rigoles. Qué pena. Quel dommage. Me llamo Loriane. Yo soy Loriane. Je m'appelle Loriane. Je suis Loriane. Nom très espagnol, me direz-vous. Y tú, ¿cómo te llamas? Et toi, comment tu t'appelles? Et usted, ¿cómo se llama? Et vous, comment vous appelez-vous? ¿De dónde viene? ¿De dónde eres? D'où venez-vous? D'où viens-tu? Yo soy francesa. Et tú, je suis française. Et toi? Vivo en el norte, en el sur de Francia. Je vis dans le nord, dans le sud de la France. Es un pequeño pueblo. C'est un petit village. Et c'est vrai. Es una ciudad. C'est une ville. Al lado de, à côté de. Bélgica, Belgique, España, Espagne, Norte, Sur, Este, Oeste, Nord, Sud, Est, Ouest. ¿Cuántos habitantes? Combien d'habitants? Menos de o más de 1000. Moins ou plus de 1000. ¿Qué te gusta en la vida? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? ¿Qué es tu trabajo? Quel est ton travail? ¿Qué? Quoi? Me gusta correr. Correr. J'aime courir. Exactamente. Y aprender idiomas. Et apprendre des langues. Ce n'est même pas inspiré. Saber. Savoir. ¿Por qué? Pourquoi? Porque aprendes español. Pourquoi apprends-tu l'espagnol? ¿Desde cuánto tiempo? Depuis combien de temps? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo apprends-tu? ¿Por qué? Parce que. Ya. Déjà. Solo, seulement, ahora, maintenant, hoy, aujourd'hui, ayer, hier, mañana, demain, ou matin, mañana veut aussi dire matin, vendedor, vendeur, y, et, escribir, yo escribo, écrire, j'écris, sobre, sur, estudiar, étudier, la diferencia, la différence, en serio, ah bon? Sérieusement? Practicar, pratiquer. Souvenez-vous de ce mot-là. Practicar. ¿Qué idiomas hablas? Quelle langue parles-tu? Ninguna. Aucune. Nada. Rien. ¿Cuándo? Quand? ¿Entiendes cuando hablo español? Tu comprends quand je parle espagnol? ¿Qué piensas? Qu'est-ce que tu penses? Desear. Souhaiter. Cuatro veces por semana. Quatre fois par semaine. Tengo una pregunta, por favor. J'ai une question, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ou s'il vous plaît. Repetir. Répéter. Otro. Autre. También. Aussi. Inglés. Alemán. Espagnol. Portugués. Ruso. Anglais. Allemand. Espagnol. Portugais. Russe. Quiero hablar ruso. Je veux parler russe. Mes. Moi. Me gustó el curso. J'ai aimé notre cours. ¿Cuántos años tienes? ¿Quel âge as-tu? El trabajo. Le travail. Beber.
Veo, je vois, aquí, ici. Tengo 28 años, j'ai 28 ans. Ça, c'est pas vrai. Un viaje, un voyage, decir, dire, quizás, peut-être. Estudio una hora cada día. J'apprends une heure, j'étudie une heure chaque jour. Durante, pendant, algo, quelque chose. Pregunta, question. Semana, semaine. En serio? Ah bon? Sérieusement? Sérieux? De acuerdo, d'accord. Todavía no, pas encore. Ya, déjà. Depende, ça dépend. Está claro, c'est clair. No pasa nada, no pasa nada, tant pis. Et voilà, maintenant à vous de passer à l'action. Vous avez des petits exercices qui vous attendent sur votre fiche. Vous pouvez traduire les expressions. Donc voilà, je vous invite à télécharger votre fiche juste en dessous de cette vidéo. Ciao, ciao! Ou hasta luego, plutôt.